Papa. Zazette, dans une minute, on est en retard. Bienvenue dans cet épisode matinal, ma couille. Épisode matinal pour une bonne raison. On a de la route à faire ce matin. Oui, ce matin, on peut le dire, ce matin, il est minuit passé et je suis déjà en retard. Mais c'est pour la bonne cause. Pourquoi on se lève aussitôt ? Enfin, d'ailleurs, on sait même pas qu'on s'est levé, c'est qu'on s'est pas couché. On va direction la Belgique au Ciné Truck Show, ma couille. Lors de la douloureuse, ma couille. Je m'étonne, merci de votre visite. Se faire satelliser le fion comme ça. Tu m'étonnes qu'ils sont contents de nous voir chez Leclerc. Ah, je crois. Je crois qu'elle est là, la petite dame. Oui, parce qu'on récupère quelqu'un au passage. Ça sent la passion. Ah, Zézette, ça sent la passion. Zézette nous a lâchés. Zézette, j'ai pas dormi. Oui, bah moi non plus, j'ai pas dormi. J'ai ma journée de travail dans les pattes. Moi, j'ai une mère au foyer. Pour réveiller dur, Zézette. Bonjour, madame. On se promenait avec ma femme en voiture et puis on se disait combien vous preniez la passe. On a récupéré madame Nilou, mais c'est pas tout. On a encore des petits colis à récupérer qui sont. Pas là. Si. Si, tu crois ? C'est l'heure de la pause. Bon, alors la route, comment que ça se passe ? C'est dur. Moi aussi, là, c'est dur. Attends, je suis en train de finir. Va pas t'en mettre sur les pompes quand même. Putain, Lilou, elle est déterre. Elle va mettre en route toutes les machines. Quoi. C'est parti, la quatrième. Non, peut-être prendre un petit jus de tomate, là, je le sens. Là. Non. Un potage. Un petit potage. T'as mis tellement toutes les machines en route, j'ai poulé mon café. Moi. Ouais, le mien, il est là. Est-ce qu'il y a des chasseurs parmi nous ? Non ? Parce que là, je crois qu'on va vers un problème de taille. Il est énorme, l'animal. Ah, il y a un polonais là. Un monstre. Ah, bah il est parti chasser, lui, il s'est dit, il me faut. De la viande, de la viande. Donc, Florian, dis-nous, t'es parti en vacances avec ton vibromasseur, quoi, en fait. Ouais. Putain, un tripode. Tu veux essayer ? T'es un gourmand, toi. Attends. C'est la taille pour toi, ça. Mon fion ne restera qu'un point de sortie et non d'un point d'entrée comme le tien. C'est l'abonné qui vient de porter des dédicaces. Il est là. Bonjour tout le monde. À nous en Belgique. Putain, grosse ambiance derrière. Hein. Putain. Ah, le début de la passion. Aïe, 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 aïe. Le V8, ma couille, le V8. T'entends? C'est pas un Volvo, ça. Quelque chose me dit que c'est pas un Volvo. Et c'est encore moins un DAF. Ça va être désagréable. Mais hein, non. Le V8, ma couille, le V8. Ça va, ça couille. Ça va, monsieur. Et aujourd'hui, ça va rien coûter. Ça me fait plaisir. T'as tué un raton là-bas ? Non, non, ça vient de... C'est des cheveux des abonnés, ça. Camion pour les enfants. Ah oui. Bah oui hein. Camion pour les hommes. Mm-hmm.
Patrice. Ouais, toi. T'as des cadeaux pour moi? Ouais, tout. Fallait qu'on cause tous les deux. Ah oui, je commence. Quel beau stand, dis donc. Ah, couille. Qu'est-ce que tu fais là? Avec le code promo Florian Truck, t'as 5% chez Polytruck. 10. Avec le code NutsMotor, ça 10. On est dans la vente d'Arctic. On est en train d'escroquer le client. Fais comme les pilotes des années 70. J'ai les lunettes des années 80. T'es vraiment bon à rien. Et Alex, et on dit merci qui? J'ai vraiment Pierrot et Michel. T'es heureux? Fatigué. La ZZ, la fameuse, l'unique, la belle. C'est oui. Florian Troyes, vous payez à boire. Tournée générale. Allez vous faire foutre. Bon les filles, je fais quoi? Je vous sers un petit combien? Deux. J'ai déjà dit la bite, mais pas trop fort. Eh dégueulasse. Bon, alors en vrai, on a un peu traîné sur le parc aujourd'hui, mais il y a tellement de belles choses à voir. On va commencer la vidéo maintenant. Un peu une vidéo bizarre. Bon, je crois. Le binoclard est de la partie, tu peux bien le voir. Par contre, il y a un élément où je suis content, c'est que tu peux tourner et tourner et tourner. Pas de daf à l'horizon. Le pignolage. Mais oui, ma couille. Il n'y a que ça. En vrai, il y a tellement de machines, je sais pas par où commencer. Il y a vraiment des trucs à tomber par terre. Regarde, Alex, il fait comme ça. Il y a vraiment un vrai degré de finition, c'est. Ah voilà. Ah, toi, c'est. C'est moquette rouge, toi, c'est bon. Là, clairement, tu vas me dire que t'aimes pas ça. Alex, je vais t'expliquer quelque chose. Ce camion, je le trouve... Viens de trouver une excuse de merde, je le sens. Mais non, il... Non, mais je le sens. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est joli, mais il est très beau. Ouais. Mais j'aime pas le... On est en Barnet, hein. Ah, Barnet, voilà. Ah, bah voilà, des couilles, des vrais. Serre-lui pas la main, il roule. Avec la batterie. La batterie. T'es en panne sur le bord de la route encore une fois avec ton DAF. Voilà, exactement. Ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît ce petit ratio. Je trouve enfin des gens cohérents de leur propos. C'est tout. Bah oui, voilà, tu le sais toi comment ça se passe. Le V8, ma côte. Voilà les couilles, on est devant une des boutiques que j'adore. C'est une boutique belge. C'est Ronnie Caster. Ils ont des camions, mais ils sont à tomber. Que ce soit les anciens, que ce soit les nouveaux. C'est des tueries. Camille comme ça, ça défonce. Un alambic gras. On va pouvoir continuer. Ça, j'en aurai un jour. Les couilles, il faut que je vous montre un truc. C'est pas du tout mon camion préféré, mais c'est le travail qui a été fait sur le camion et sur la remorque, c'est incroyable. La feuille d'or, ma couille. Alors, c'est pas du tout mon style de camion, mais le taf est incroyable. Il y a tellement de belles choses en vérité, tu sais pas où tourner de la tête, c'est vrai. Ouf. On a retrouvé ces aides. Non. Je vais laisser toute seule. Oh, on voit ça. Du bois. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf.
matin. J'ai poussé le long, celui dans la vidéo. Parce qu'en fait, il y a trop de trucs à vous montrer et le temps passe trop vite. C'est compliqué. Donc là, on est à l'hôtel. On va aller voir quelqu'un. Messieurs. Bonjour. Bonjour. Je viens inspecter ta chambre, voir si t'as pas été surclassé par rapport à la couille. Et j'ai trouvé une porte secrète, mais... Et j'ai pas ça, moi. Je pense que si Flo ouvre de l'autre côté... Il y a Flo derrière, tu crois? Je pense. Tu peux pas ouvrir, il faudrait que ça soit qui ouvre. Et pas du bien, je crois, il va encore. Bon, ben moi je suis prêt, toi j'ai l'impression que c'est bientôt prêt. Bientôt là, toi je finis mes petites boucles et puis c'est bon. La bouclette. Bon, allez, à tout à l'heure. Vas-y, ZZ30. Chut. J'avais tout le temps rêvé de passer un moment comme ça à un hôtel avec deux femmes. Allez, rentre, je suis pas la timide. Bon alors, madame l'influenceuse, let's go to Dubaï. Let's go to Dubaï. Allez, c'est parti. Florian Truc, il est équipé comme s'il avait tourné un Ushuaïa Nature. Ouais. Ah ouais, les déterres, là c'est parti. C'est le meilleur moment de la journée. J'avoue, c'est pas déplaisant. Allez, on va faire un petit plaisir. Bon appétit. On a reçu comme ça, direct de la mayonnaise dès le matin. De la mayonnaise et des œufs. ZZ, toi t'as été sage. Mais t'es fait un petit plaisir quand même. Par contre, là, il n'y a plus de respect pour... Là, t'en as pour ton argent, là. Merci, Pierre. La couille, il a été soft aussi, tranquille. Oh. Effectivement, j'ai pas tout soulevé. Voilà. Bon, faut profiter quand même, c'est Pierrot qui paye. Abonne-toi à ma couille. Qui c'est qui veut notre bracelet? Ouais. On en profite, c'est pour les trois qui payent. Oui, nous, on n'a pas de cadeaux, non mais... Où sont les cadeaux? Il n'a pas celui-là, regarde. Ça c'est pour ZZ. Lilou, là le week-end il est déjà bien entamé. Ah ouais. On a passé quasiment tout le week-end sur le stand Polytruck. Maintenant on va faire kiffer, on va faire un tour de paddock. Et puis on va vous montrer un peu ce qu'il y a. C'est... Pépite. Il y a vraiment du niveau cette année. Alors attends, moi je sais pas toi, mais moi là c'est une prépa. Ça c'est des camions. C'est hollandais à mort. La petite échelle. Ah mal des oui. Là on n'est pas sur de la petite cheminette. Bah alors ZZ, t'es perdu? ZZ a kiffé aussi ce week-end. Hein. J'adore. Est-ce que... Ah, t'accepterais que j'en achète un deuxième après? Hein? Non? Pour toi ZZ. Petit camion pour ZZ pour tous les jours. Un petit torpedo pour ZZ. Pour aller à l'école le matin. Ça j'en veux vraiment un jour, un torpedo. Qu'est-ce que tu veux me montrer, Lilou? Ah ouais, mais les enceintes, elles doivent être étanches de fou, je pense. J'aurais peur de l'avocat cher après le camion. Putain. Quand tu roules, tu pleutes, c'est les enceintes. Ce camion-là, quand on voit comment il était, ce que Kevin a fait comme boulot. Ah, c'est ton pote. Ouais, c'est franchement, c'est ouf le travail qu'il a fait. Le avant, après, il est. C'est un Volvo. Alors en vrai, oui, ZZ, c'est un Volvo. Alors je suis pas Volvo, mais celui-là, en vrai, il est joli. Faut le dire. Il est stylé. Et voilà, Florian. Non! Florian, il fait du coup. Voilà, il fait la sieste, il est fatigué. Il a vraiment fait le taf, mais il s'est... Ah ouais, je crois que c'est ça. Parce que les Scania, c'est mieux. T'es d'accord? Dis-le à la caméra, t'es d'accord? Quand t'as les remorques assorties, c'est... Mais en parlant de remorques assorties, comme... Toi, vraiment, mon but professionnel, c'est ça, d'avoir le camion avec la remorque assortie, que ça soit la déco continue, toi. C'est magnifique, toi, t'as la bande, c'est... Mais oui.
on est sur du vachement plus sobre, mais putain, c'est beau aussi. On est avec le sobre, ah, putain, regarde. Ensemble, mec. Get, c'est assorti. Moi, c'est ça que je dis, c'est quand t'as tout qui est assorti. Attends, la longueur, il a combien de mètres? Allez, en pas de Lilou, ça fait combien? 1 mètre, 2, 3, 4, 5, 6, bouge ton corps. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pour moi. 21 Lilou. Tu dis simple, ouais. Mais regarde tous les détails. Non, mais en fait, c'est que c'est. C'est dans le détail, c'est pas du Holland Style. Encore une c'est... copine. C'est vraiment. Encore une copine. Ah ouais. Ah ouais. La remorque. Ah mais moi, c'est ce qui. Non, mais tu c'est peux... pas la remorque, c'est l'ensemble. Ouais, mais en fait, tu peux avoir un bokeh mais quand t'as la remorque qui est avec, c'est magnifique. Bah, ça fait. Ça finit en fait. Ouais. Et il est posé lui aussi. Tu sais quand tu vois avec le bois comme ça, je sais pas si t'as vu l'intérieur, il y en a un, il a un dessus de châssis qui est lisse. Oui. Il a fait une sorte de terrasse en bois dessus. Il y en a, c'est des ouf. Ouais, c'est... Mais ça, un torpedo, putain, un jour vraiment, j'en voudrais. Alors là, on est sur du simple mais efficace. Enfin simple, et du travail de fou. Hein. Mais les coloris, là, c'est des petites surpiqûres crème là. Oh. Ça c'est le camion d'une couille, j'ai pas réussi à le croiser mais il est magnifique. Je pense qu'il se reconnaîtra. Ah moi c'est ça que j'aime sur les 143, tu mets des grosses roues comme ça ressort. Là. Alors c'est une vidéo un petit peu différente de d'habitude, là je vous montre un peu le salon de ciné, c'est pas des choses que je fabrique, tout ça, on est plus dans la découverte de choses, parce que je vais vous faire partager ça, parce qu'il y en a qui n'ont pas eu la chance comme moi de pouvoir venir, et il y a des choses, c'est tellement beau, je pense que si t'aimes les camions, il faut le faire au moins une fois dans ta vie. Mais quand tu as des machines comme ça, mon gars... Là il y en a pour tous les goûts, toi, si tu préfères l'aérographe, si tu préfères le Land Style, enfin voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Si tu préfères les femmes aussi. Eh Macou, il faut que je te présente quelqu'un. Vas-y, présente-moi quelqu'un. Bon, alors là, Lilou, je sais pas ce que t'en penses, mais on est sur des coloris très proches de Barnet. Ah ouais. Moi, j'aime bien. Ah ouais. Alors, moi, le mélange du rouge et du vert, je trouve ça marche bien. C'est pas ce qu'il y a de plus tape à l'œil, mais le combo, je trouve ça vraiment joli. Ah, je sens qu'on va être sur de l'alambic de qualité. Ça peut mon coup de cœur depuis très longtemps, c'est un camion que j'adore, on suit sur les réseaux tous les deux et je le trouve magnifique, il est plutôt simple mais je l'adore. C'est le série 4 de Jorian, il est magnifique. Alors pour la petite histoire, en fait, quand j'ai sorti les visuels 3D de Barnet, il y en a plein qui m'ont tagué, ils me disent, ah, il ressemble à un autre camion. Et en fait, on me l'a envoyé. J'ai vu qu'à ce moment-là, en fait, il me suivait déjà. On est rentré en contact ensemble, c'est un Hollandais, donc du coup, on parle en anglais, c'est pas évident. Mais je kiffe son projet. Et bon, il aime beaucoup aussi Barnet, tu penses. Ils ont plein de trucs en commun. Et il est vraiment magnifique. Tu vois, ça, c'est ce que j'appelle, moi, la French Touch. Tu vois, c'est de la déco un peu style hollandaise. Jean Talu, voilà, c'est, il est vraiment dans une par paroquet, par buff, tu vois, c'est vraiment un mélange de genres. Toi, c'est ce que j'aurais cru. Moi, c'est ce que j'appelle un peu la French style, tu vois, c'est un peu la déco hollandaise avec des Jean Talu, des trucs comme ça, quoi. Yeah.
Alors tu vois, il est très joli celui-là. Ouais. Mais toi, si Barnet, je l'ai pas fait rouge, c'est parce que toi, bah, en gros, ça fait vraiment copie Ronnie Custer, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Ça, c'est sûr. Mais... Tu crois, ça l'a un peu. Ah ouais, toi, en arrivant, je dirais, bah, tu sais, c'est un Ronnie qui est à l'écart. Il est beau, mais moi c'est pour ça, toi je voulais vraiment mes couleurs, un mois pour pas qu'on dise tiens, il a pompé sur machin quoi. Je vais vous montrer un truc, c'est le degré de finition, il est ouf. Et ma couille. Ouais, désolé, hein, je n'ai plus de tout le monde. Il est où Barnet? Bah, il est où Barnet? J'attends. Il est où ma couille? Eh les gars, il manque un camion, là, on est d'accord? Le tien? Bah voilà. Je suis tout à fait d'accord, Barnet, il est où? Je me tue leur dire. Les couilles, il y en a rendu à l'intérieur. Là, c'est un peu le gratin de la crème. Quoi. C'est vraiment. Oh, voilà. Des camions, mais oui, ils sont posés par terre, on dirait des voitures de la caisse de piste, toi. C'est à ras-le-sol, c'est ouf. T'as de la feuille d'or, c'est... Le travail, il est incroyable. Les gens qui regardent, moi en fait, si tu veux, c'est que je regarde pas forcément avec l'œil du passionné, mais tu sais, j'ai tout le temps l'œil du carrossier, et du coup, bah, ce camion, c'est pas un camion que j'aime forcément beaucoup, mais les finitions sont dingues. L'aérographe, bah, oui, t'as vu un peu? Alors, c'est vraiment pas mon style, tu vois, mais c'est la finition, elle est incroyable. Le torpedo, ma couille, il est posé par terre. Chauffeur que je paye en dessous du SMIC. Ma couille, moi, si tu me payes 1200 euros et que tu me passes par net, bah, je compte quand tu veux. Ah ouais, et tu viendras le dimanche matin de salle à taper et passer la séance dans le bureau. Tout ce que tu voudras. Balance ta couille. Hashtag balance ta couille. Vas-y, bouge ton corps. Vas-y, vas-y. Ceux-là, ils sont simples, mais ils sont terribles. Celui-là, il y a un mélange de couleurs. Ah, mais moi, celui-là, j'adore celui-là. En vrai, toi, le jaune, plus ça va, plus je me dis que sur un camion, ça va bien. Alors ça, tu vas te calmer tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est ma couleur préférée et moi, je voudrais que mon camion, il est jaune. Ah ouais? Là, toi, je crois que c'est vraiment, c'est mes coups de cœur du salon, c'est vraiment les deux, en fait, au final. Plus je passe devant, plus je me dis, pour moi, c'est les, vraiment mes préférés du salon, c'est les Ronnie, toi. Ah, l'intérieur, c'est toute petite cabine. Ah ouais, elle est trop belle. Là, je vais vous montrer un Série 4, je le connais depuis longtemps en fait. Bon, il est joli extérieurement, mais en fait, moi je le connais pour son intérieur. Pour moi, c'est un intérieur, elle est vraiment il est splendide. Regarde-moi ça. Il est magnifique, l'intérieur, il est fou. En fait, c'est pas. C'est pas, il est pas incroyable, c'est pas tape à l'œil, mais la finition, le degré de finition, il est magique. Bon alors Lilou, t'es parti en balade? Bah je me casse, ça y est, j'ai choisi un camion dans l'expo et puis je m'en vais. Il est grave stylé. Vas-y, fais faire un tour de d'intérieur aux couilles. Lilou, c'est la fille qui a fait la tournée des cabines. Bah ça va que tu fais ça sur un salon et pas sur les parkings de Saint-Pontier le soir. C'est sympa toi. Regarde. Eh, à mon avis, justement, vu ça, il doit claquer fort celui-là. Allez, fais-nous un tour intérieur. Viens voir papa. Ah, il a pas mis un aileron lui sur le torpedo. Ah putain.
toujours plus de finition. C'est mort, je veux ça sur Barnet. Bon allez Pierrot, ciao. Bon voilà les couilles, on a passé un putain de week-end en bas. Putain, je crois que le mot est faible. Là je pense que le lundi sur la route il va être fade après avoir vu tout ça. C'est clair. On a pensé aussi à un truc, vu qu'on avait fait une vidéo en commun il y a... Ça va faire un an. Bah ouais, quand on passait la déjà. Capacité, vous vous posez plein de questions maintenant sur la suite de la création de notre entreprise et comment ça se passe pour créer sa boîte. La bon, société. Bah toi t'as pris de l'avance sur moi parce que toi ça y est, t'es l'heureuse. Ça y est, l'entreprise est montée. Allez patronne, ma couille. Et donc voilà, donc dites-moi en commentaire s'il y a des questions auxquelles je voudrais qu'on vous réponde, parce qu'on fera peut-être un petit épisode où on reviendrait là-dessus. Donc mettez-moi vos questions en commentaire, on les sélectionnera et puis on vous y répondra. Et puis bah nous maintenant on est parti pour 8 heures de route. Regardez. Allez. C'est pas mal, ouais. Bon, allez, passez une bonne semaine, les couilles. Pense à t'abonner. À lundi prochain, 19h, pour une prochaine vidéo. Ciao. Après toute cette route, il a réussi à conserver sa noix. Aïe, 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 les couilles, un peu de plus. Je terminais cette vidéo un petit peu trop rapidement. Bon, je tiens à remercier Polytruck. C'était un putain de week-end et grâce à eux, là, on a kiffé. On a vu des choses, j'avais jamais vu autant de camions préparés. Franchement, c'était trop cool. Et toi, à peine rendu, à peine ça remotive, tu vois. Là, je me suis remis sur la visière de Barnet. Petit coup de peinture, petit coup de vernis, redépolissage. Là, du coup, il me reste encore un coup de vernis à donner pour plus avoir la trace au doigt. Pareil pour les déflecteurs. Enfin, je t'en montre pas trop parce qu'il y a un épisode spécial Barnet qui arrive. Voilà, va falloir patienter encore un petit peu. Mais toi, le fait d'être en vacances, ça permet d'avancer vachement plus vite. Et il y a des choses qui se passent en ce moment, mon petit monsieur. Bon, et puis aussi, ce qu'il y a, c'est que j'ai vraiment envie d'y participer l'année prochaine au Ciné Show Truck Show avec Barnet. Donc voilà, ça laisse un an. Je pense que d'ici un an, on a de quoi, on est vraiment moyen d'être prêt. Bon, si toi aussi, tu veux faire des petits rassauts comme ça avec ton véhicule, je te rappelle que tu as 10% sur tout le site Polytruck. Je te mettrai le lien en description. Donc fais-toi plaisir. Et puis, bah voilà, maintenant, là, on a fait le tour. J'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. C'est une vidéo un petit peu différente. C'était pas, on n'a pas parlé de mes projets. Je vous ai emmené avec moi. Je sais pas si ce genre de format, ça vous aura plu. Mais voilà, je voulais vous faire partager cet instant au plus près parce qu'en vrai, ça a été que du kiff. Voilà. Bon, les couilles. Maintenant, je vous dis à lundi prochain, 19h, pour un prochain épisode. Passez une bonne semaine. Pour ça, t'abonner en partant à la chaîne, c'est pas déjà fait. À lundi prochain. Ciao !